électeurs américains vont élire ou réélire leur président. Le même jour, on l'oublie trop souvent, ils vont élire la totalité de leurs députés, un tiers de leurs sénateurs et presque la moitié de leurs gouverneurs. À l'évidence, cette année, l'élection ne suscite pas l'intérêt, la fièvre qu'on a connue en 2008, en partie parce que la ferveur en faveur d'Obama est retombée, en partie parce qu'on ne mesure pas toujours les enjeux de ce qui va se passer le 6 novembre prochain. Les choses me paraissent devoir être relevées, et je vais commencer par la politique intérieure. Il y a une caractéristique dans cette élection, c'est que les deux partis affichent leur dédain envers la majorité des Américains qui vivent dans les 38 ou 40 États dont on sait déjà comment ils vont voter. Parce que vous connaissez sans doute la particularité du système électoral américain, qui n'est pas une élection au suffrage universel, mais qui est une élection au suffrage universel État par État. En d'autres termes, aucun candidat ne gagne rien à l'emporter avec plus d'une voix de majorité dans un État. Ce qui revient à dire que quand la victoire d'un candidat est assurée dans un État donné, comme par exemple est assurée la victoire de Barack Obama dans l'État de New York, en Californie ou en Illinois, ou comme est assurée la victoire de Romney en Utah, au Texas ou au Mississippi, donc quand la victoire d'un candidat est assurée dans un État donné, ce candidat n'a aucun intérêt à y faire campagne, puisque la marge de sa victoire n'a pas d'importance. Et si ce candidat n'a aucun intérêt à faire campagne dans cet État, son adversaire, pas davantage. Ce qui revient à dire que chacun des candidats, et on l'observe plus que jamais dans cette élection, a la même stratégie. L'emporter dans les 12 États clés, les 12 États qui peuvent basculer, la Floride, l'Ohio, le Colorado, le Nevada et quelques autres, et en réalité, moins d'un tiers de la population, 88 millions d'habitants, vont être le sujet, l'objet de toutes les attentions des candidats dans un pays de 315 millions d'habitants. Donc il faut déjà avoir à l'esprit l'idée que la majorité de la population n'intéresse pas les candidats. Chaque candidat investit donc tout l'argent et toute l'attention dont il dispose dans les États tangents, et c'est dans ces États tangents que se déploie la quasi-totalité des messages publicitaires. Pour être encore plus précis, une somme sans précédent, on parle de 2 milliards de dollars pour la seule élection présidentielle américaine, de 8 milliards de dollars en comptant les autres scrutins, une somme sans précédent va se déverser dans une douzaine d'États seulement, et dans chacun de ces États, va cibler les 3 à 5% de l'électorat qui hésite encore. Dès lors que l'élection est assez polarisée, que les gens se sont fait une idée à peu près précise du candidat pour qui ils vont se prononcer, l'électorat flottant est très faible, et donc vous avez une somme sans précédent d'argent qui est consacrée à un nombre particulièrement réduit d'hésitants dans un nombre très réduit d'États. Et ça, je crois que c'est la première caractéristique à avoir à l'esprit, qui, par exemple, explique que depuis le mois de mai, Barack Obama a tenu 47 meetings politiques aux États-Unis, et que parmi ces 47 meetings, il s'est rendu 12 fois en Iowa, 11 fois en Ohio, 9 fois en Virginie, 6 fois au Colorado, 5 fois en Floride, 3 fois au New Hampshire, 2 fois au Nevada, 1 fois en Pennsylvanie, et 0 fois partout ailleurs. C'est-à-dire zéro fois dans les 4/5 des États. Les réunions politiques n'existent pas ailleurs. Et donc, que fait le malheureux électeur de base qui a envie de soutenir Obama ou Romney, mais qui vit en Californie? Eh bien, on lui dit, la seule chose que vous pouvez faire d'utile, c'est de verser des fonds à la campagne d'Obama ou de Romney, ou, le cas échéant, à téléphoner de l'État dans lequel vous résidez, vers des électeurs indécis dans l'un des États clés. Donc,
l'électeur militant qui aurait envie d'aider Obama ou Romney, mais qui vivrait dans un État dont on connaît déjà le résultat, n'a pour choix que de verser de l'argent à son candidat ou à appeler des électeurs du Colorado ou du Nevada pour les convaincre de soutenir Obama ou Romney. Et ça, je crois que c'est la première fois qu'on l'observe avec une telle intensité, une somme, encore une fois, sans précédent, qui se déverse vers un nombre très réduit d'hésitants dans un nombre très réduit d'États. À signaler, c'est que la droitisation du Parti républicain conforte ce dédain démocratique. Je pense que maintenant, la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de cet enregistrement de Mitt Romney, laissant échapper, lors d'une réunion consacrée à ses bailleurs de fonds, la phrase suivante, le propos suivant de Mitt Romney, donc je le cite, « Il y a 47% des gens qui voteront pour le président sortant, quoi qu'il arrive. Il y en a 47% qui sont avec lui, qui dépendent de l'État, qui se prennent pour des victimes, qui croient que c'est la responsabilité de l'État de les prendre en charge. Mon boulot n'est pas de me soucier de ces gens-là. Je ne les convaincrai jamais de se prendre en charge, de prendre leur vie en main. » Fin de citation de Mitt Romney. Donc vous voyez ce propos qui avoue qu'un candidat à la présidence des États-Unis ne se soucie pas et ne s'intéresse pas à ce que pense la majorité ou pas la majorité, 47% des Américains, dès lors que ces 47% des Américains lui semblent acquis à son adversaire. Et il me paraît que la haine de l'État et l'héroïsation des riches sont de plus en plus les deux mamelles, comme on dirait en français, en tout cas les deux caractéristiques très fortes du Parti républicain. Lorsque vous assistiez, comme je l'ai fait, à la convention républicaine de Tampa en Floride, ce qui était assez frappant pendant les trois jours de travaux, c'est qu'il y a des mots qui n'ont pratiquement jamais été entendus. Le mot de banque, le mot de Wall Street, le mot de Bush. En d'autres termes, il s'agissait d'analyser la situation économique que les États-Unis avaient connue depuis 4 ans, sans jamais pointer du doigt l'identité des responsables. Pour le Parti républicain, les banques, Wall Street et Bush n'étaient pas responsables, les responsables de la crise n'étaient pas nommés, la crise économique aux États-Unis, selon eux, c'était d'abord et avant tout le produit de l'intervention de l'État. Le produit de ce qu'ils appellent l'assistanat, de ces 47% d'Américains qui vivaient ou qui vivraient au crochet des contribuables. Et cette idéologie, assez frappante quand on l'entend surtout pendant plusieurs journées d'affilée, dans un public qui semble ressembler à une convention du patronat, plus qu'à une convention d'un parti politique, cette idéologie est vraiment la caractéristique de marque du grand parti de droite aux États-Unis, qui a quand même des chances sérieuses de l'emporter lors des élections. D'ailleurs, la philosophe du Parti républicain, c'est une personne qui s'appelle Ayn Rand, une romancière qui est assez peu connue à l'étranger, mais qui a vendu des millions d'exemplaires aux États-Unis et qui est très appréciée de la droite américaine et qui est en particulier la référence qu'a invoquée à plusieurs reprises Paul Ryan, le candidat du Parti républicain à la vice-présidente des États-Unis. Or, quand vous lisez les textes d'Ayn Rand, dont certains ont donné naissance, ont donné lieu à des films, comme The Rebel avec le film de King Vidor, quand vous lisez les romans d'Ayn Rand, ou quand vous voyez peut-être certains de ces films, on a l'impression que le monde est divisé en deux catégories, les États-Unis en tout cas divisés en deux catégories. D'un côté, les patrons, de l'autre, les parasites. Ou pour le dire moins brutalement, et pour le dire en employant des termes américains, d'un côté, les makers, et de l'autre, les takers. Ceux qui donnent et ceux qui prennent. Et il faut voir, pour comprendre à quel point cette référence à Ayn Rand est caractéristique et significative, qu'en 1961, c'est-à-dire en plein mouvement des droits civiques des Noirs américains, Ayn Rand a eu l'audace de titrer un de ses essais « La minorité la plus persécutée d'Amérique », deux points, le big business.
Et effectivement, au moment des droits civiques, faire un texte de ce calibre, avec ce titre-là, manifestait un aplomb certain. Donc je pense que l'idéologie ultralibérale du ticket républicain conduirait, si ce ticket l'emportait, à une nouvelle baisse d'impôts aux États-Unis, et cette fois-ci à la remise en cause frontale, pas à la marge, mais frontale, des programmes de dépenses publiques consacrés à la retraite, c'est ce que les Américains appellent la Social Security, mais aussi à la santé des personnes âgées, c'est le programme de Medicare, et surtout à la santé des indigents, c'est le programme Medicaid. L'idéologie du Parti républicain veut que ces programmes-là soient trop dispendieux et qu'il appartient maintenant aux gens de se prendre en charge individuellement sans recourir en permanence ou sans recourir du tout à l'aide de l'État, sauf s'ils sont handicapés. Dès lors que vous n'êtes pas handicapé, dès lors que vous êtes capable de travailler, vous n'avez pas à recourir à l'aide de l'État. L'idée sous-jacente, c'est donc que l'État n'a pas vocation à ressembler à une sorte de mama italienne, que chacun doit se débrouiller, doit économiser quand il le peut, se faire apprécier par ses voisins charitables quand il le doit. Et justifiant il y a quelques mois les coupes draconiennes qu'il recommandait dans le budget d'aide aux pauvres, Paul Ryan, l'actuel candidat républicain à la vice-présidence des États-Unis, mais qui n'était à l'époque que membre de la Chambre des représentants, Paul Ryan expliquait, je le cite, « Nous ne voulons pas que le filet de sécurité devienne un hamac qui berce les gens aptes au travail dans des existences de dépendance et de facilité qui essorent d'eux toute volonté et toute incitation à tirer le meilleur parti de leur existence. » Fin de citation. Et je pense qu'une citation comme celle-là a un certain nombre de résonances en Europe à l'heure actuelle, peut-être même en Hongrie. Non seulement l'intervention de l'État serait moralement injustifiable, en tout cas lorsqu'il s'agit de programmes sociaux, mais dans l'idée des républicains, cette intervention serait aussi totalement inefficace. S'adressant à Barack Obama, un sénateur républicain qui se nomme Rand Paul, et le nom est intéressant parce que ça veut dire que son père lui a donné pour prénom le nom d'Ayn Rand. Donc ce sénateur Rand Paul a lancé à Barack Obama le mois dernier, je le cite, « Monsieur le Président, vous dites que les riches doivent payer leur part, mais quand vous punissez les riches, les emplois perdus sont ceux des pauvres et des classes moyennes. Quand vous cherchez à punir Monsieur ExxonMobil, vous punissez la secrétaire qui détient des actions d'ExxonMobil. » Vous avez dans cette citation une espèce de raccourci assez saisissant d'idéologie républicaine. Punir les riches, c'est d'abord, enfin, vouloir atteindre les riches, c'est aussitôt punir les pauvres. Car selon les républicains, faire payer les riches, c'est toujours casser la croissance, puisque le moteur de la croissance, ce serait évidemment l'enrichissement des riches, et donc, en cassant la croissance, punir les pauvres. C'est la reprise de la fameuse théorie mise en avant par Ronald Reagan dans les années 80, la théorie du trickle-down ou du ruissellement. Cette idée que la fortune qui s'accumule au sommet va de proche en proche irriguer l'ensemble de la pyramide. On connaît naturellement le résultat de cette théorie depuis une trentaine d'années, puisque comme vous le savez, les 1% les plus riches n'ont jamais détenu une part aussi importante de la richesse nationale et les 20% les plus pauvres une part aussi modeste de cette même richesse nationale. Et je crois qu'ici, il faut évoquer le contexte historique de la période que connaissent les États-Unis, puisque depuis les années 60, chaque expansion de la puissance publique aux États-Unis s'est heurté à une résistance féroce de ceux qui estimaient que l'État était trop puissant, que les principes constitutionnels américains, et en particulier le primat des libertés individuelles, étaient mis en cause par cette puissance de l'État. Or là encore, depuis 2008,
un virage à gauche qui a été provoqué par la crise financière. Et il est évident que lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir, il a pris des mesures qui étaient des mesures interventionnistes, dont les États-Unis avaient un peu perdu l'habitude. Ce virage à gauche, provoqué à la fois par l'élection de Barack Obama et par la crise financière, a favorisé très vite, un mois seulement après l'élection de Barack Obama, la naissance du Tea Party. Et comme vous le savez sans doute, le Tea Party est un mouvement populiste qui s'est dressé contre l'intervention de l'État. Au moment même où l'État intervenait pour secourir l'économie américaine, un mouvement de droite, populaire, a estimé que le problème n'était pas tellement le comportement des banques, la crise économique et financière qui avait été provoquée par ce comportement, mais bien l'intervention de l'État qui visait à remédier aux conséquences de cette crise financière. Désormais, au demeurant, cette résistance de la droite s'appuie sur une connaissance d'une réalité qui est incontestable. Et cette réalité qui est incontestable, c'est celle de la corruption institutionnalisée du système politique américain, du rôle des lobbies. D'une certaine manière, la connaissance par une partie très importante de la population américaine du rôle des lobbies et de la corruption de leur système politique conduit une partie de la population, et notamment la partie la plus conservatrice, à estimer que l'État ne peut rien faire, qu'il est trop corrompu pour agir et qu'il est donc négatif, nocif, de lui confier des pouvoirs supplémentaires que ni la Maison-Blanche ni le Congrès ne pourront utilement se consacrer au bien public. Et d'ailleurs, pour l'un des responsables de la campagne de Romney, l'échec d'Obama, parce que pour lui il s'agit d'un échec, s'expliquerait par le fait que Barack Obama n'a eu, avant de devenir président des États-Unis, aucune expérience à la tête d'une entreprise privée. C'est un discours qu'on entendait assez souvent de la part des républicains, cette idée que, je cite, « Barack Obama n'a jamais même dirigé un commerce de coin de rue. Son concept de l'économie, c'est de confier à des bureaucrates et à des politiciens le choix des investissements en fonction des intérêts de leurs bailleurs de fonds. » Donc une vision très négative du président des États-Unis, dont on me disait à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais travaillé, parce que d'abord il avait obtenu une bourse pour faire des études, et ensuite il avait été professeur, et évidemment dans l'esprit de nombre de républicains, être un intellectuel et être un professeur, ça n'est pas un vrai travail, comme créer son entreprise et créer des emplois. D'une certaine manière, je dirais que les démocrates ont bien de la chance d'avoir Mitt Romney comme adversaire, car le message que colportent les républicains est un message qui est très puissant dans la tradition américaine, mais fort heureusement pour les démocrates, Mitt Romney est un très mauvais messager, dans la mesure où il incarne presque de manière caricaturale le biais favorable aux riches des républicains. Le problème de Mitt Romney n'est pas qu'il est riche, après tout, la plupart des présidents des États-Unis l'ont été, y compris les démocrates, qu'on pense à Roosevelt ou à Kennedy, et Bush était riche lui aussi, George W. Bush, mais avec Mitt Romney, la fortune se voit et s'entend, alors que George Bush aimait jouer au rancher texan, qui parlait un peu comme l'américain moyen. Dans le cas de Mitt Romney, on ne peut pas manquer de comprendre aussitôt que c'est un héritier, enfin que c'est quelqu'un qui a une très grosse fortune, qui a dirigé un fonds spéculatif et qui ne connaît pas le problème des Américains moyens. À tel point que lors de la convention démocrate, les adversaires de Romney disaient, je cite, « Mitt Romney a si peu de patriotisme économique que même son argent a besoin d'un passeport. Il prend ses congés d'été sur les plages des îles Caïmans et ses vacances d'hiver sur les pistes des Alpes suisses. » Là, il s'agit de l'argent de Mitt Romney qui, effectivement, en général, a choisi un certain nombre de paradis fiscaux. Alors toutefois, je pense qu'il faut bien comprendre que cette polarisation de la droite qu'on observe en ce moment coïncide avec la réalité d'une politique américaine qui, depuis 2 ans,
n'est pas uniquement entre les mains de Barack Obama. Comme vous le savez sans doute, depuis novembre 2010, les Républicains ont remporté une victoire historique et ils ont une majorité assez forte à la Chambre des représentants, majorité que vraisemblablement ils vont conserver en novembre prochain. D'une certaine manière, les politiques économiques qui s'appliquent aux États-Unis depuis deux ans ne sont pas les politiques de Barack Obama. Ces politiques économiques intègrent une partie des priorités de la droite américaine. La réduction des dépenses publiques, le maintien d'un niveau de fiscalité extrêmement bas pour les revenus du capital, revenus tellement bas que, comme vous l'avez peut-être entendu dire, le taux d'imposition de Warren Buffett, la deuxième fortune du pays, est un taux de 17,6%, c'est-à-dire un taux deux fois plus faible que le taux qu'acquitte la secrétaire de Warren Buffett, qui, elle, paie 36% d'impôts. Et ces politiques-là, qu'il s'agisse des politiques d'austérité budgétaire ou qu'il s'agisse des politiques fiscales, correspondent aux priorités du Parti républicain. D'une certaine manière, Barack Obama n'a pas été libre de ses mouvements depuis deux ans, et comme le souligne Paul Krugman, l'un des économistes américains les plus influents du pays, les politiques, les résultats économiques actuels d'Obama sont pour partie le produit de politiques qui lui ont été imposées par un Congrès hostile, et dont on comprend très bien l'intention. Le Congrès républicain, depuis deux ans, n'a eu aucune volonté de promouvoir des politiques qui favoriseraient la reprise économique dont pourrait se prévaloir Barack Obama. Donc le Congrès républicain s'est arrangé pour que, d'une certaine manière, la récession dure ou pour que la croissance reste relativement anémique. Au-delà de ce tableau général qui interroge tout de même un peu sur ce qu'on appelle la démocratie américaine, il me semble que l'élection de novembre prochain dévoile plusieurs paradoxes et que ces paradoxes expliquent peut-être une certaine forme de désenchantement de l'opinion américaine envers Barack Obama, paradoxes qui concernent à la fois la politique économique et sociale, la politique de l'énergie, les questions de famille et de moralité, enfin la question de l'immigration. Politique économique et sociale, ce qui frappe d'abord, c'est évidemment l'échec social d'Obama. D'une certaine manière, il a réussi là où on ne l'attendait pas, sur le front des profits, Wall Street, responsable de la crise pavoise, mais la plupart des salariés américains souffrent. Les quatre banques principales américaines, qui ont été très largement responsables de la crise, sont aujourd'hui plus puissantes encore qu'elles ne l'étaient en 2008. Elles contrôlent 40% des crédits contre 30% quand Obama est rentré à la Maison-Blanche. Donc pour quelqu'un qui avait tout de même vocation à réduire le pouvoir des grandes banques, l'échec semble à peu près consolidé. Lorsqu'il a fait campagne il y a 4 ans, l'actuel président partait de l'idée que le pays devait choisir entre une économie œuvrant au service des classes moyennes, dont le moteur, et une autre économie dont le moteur serait les inégalités et les riches, entre le projet démocrate traditionnel et le projet républicain traditionnel. Le seul problème, et le gros problème, c'est que sous Obama, les inégalités se sont accrues encore plus vite que sous le mandat de son prédécesseur, George Bush. Et d'ailleurs, on a eu cette réalisation du paradoxe au moment de la Convention démocrate, puisque le jour où Obama a prononcé son grand discours devant la Convention démocrate, le 6 septembre 2012, eh bien, ce jour-là, l'indice Dow Jones de Wall Street atteignait son niveau le plus élevé depuis décembre 2007. Le Standard & Poor's des 500 plus grosses entreprises américaines atteignait son niveau le plus élevé depuis janvier 2008 et l'indice Nasdaq des valeurs technologiques atteignait son niveau le plus élevé depuis 12 ans. Ainsi, ce jour-là, les investisseurs, qui sont plutôt favorables à Mitt Romney, pouvaient être satisfaits. Ils n'avaient jamais autant gagné
que sous le mandat de ce président démocrate. Seul problème, ou problème qui suit cet énoncé, le lendemain du grand discours de Barack Obama, tombaient les statistiques du chômage, les statistiques de l'emploi, et on s'apercevait que le taux de chômage restait supérieur à 8%, mais le taux réel est sans doute très supérieur à ces 8%, et que la proportion de la population active au travail aux États-Unis n'avait jamais été aussi basse, que des millions d'Américains avaient renoncé à chercher un emploi. Or, ceux qui souffrent étaient principalement les électeurs de Barack Obama. Donc, premier paradoxe, ce président qui, en quelque sorte, a fait la fortune ou a rétabli la fortune des plus riches et n'a pas réussi à endiguer la pauvreté des plus pauvres. Et la deuxième chose que je veux signaler ici, c'est que l'une des caractéristiques marquantes de cette campagne, c'est sans doute que la pauvreté en est complètement absente, alors même que son niveau est inégalé depuis 50 ans. Les candidats ne parlent pas des problèmes de la pauvreté. Entre 2007 et 2012, le nombre des Américains que le ministère de l'Agriculture classe dans la catégorie faible sécurité alimentaire, ce qui, pour le ministère de l'Agriculture, veut dire qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour une vie active et saine, ces Américains, qui représentaient 12,2% de la population en 2007, représentent aujourd'hui 16,4% de la population. Ça veut dire qu'un Américain sur 6 est dans la catégorie de ceux qui n'ont pas assez de nourriture pour une vie active et saine. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi, face à l'étendue de ce problème, un tel silence? Côté républicain, naturellement, c'est que le parti républicain n'a aucun remède à proposer, puisque sa politique économique consiste essentiellement en de nouvelles réductions d'impôts pour les riches. Selon eux, on l'a vu, cela permettra d'accroître la prospérité des riches qui ensuite va ruisseler vers les étages inférieurs. Donc il est assez logique que les républicains ne parlent pas trop des problèmes de la pauvreté. Mais côté démocrate, pourquoi ce silence? Alors pas seulement parce que ce bilan de la pauvreté est en partie le leur, mais aussi parce que côté démocrate, on redoute qu'un président noir qui propose par exemple d'augmenter l'aide aux pauvres alimente aussitôt le stéréotype conservateur selon lequel l'aide aux pauvres est un autre moyen de ne pas dire que les classes moyennes blanches vont payer pour les noirs et pour les minorités. Et puis, côté républicain ou côté démocrate, on ne parle pas des pauvres parce qu'on passe beaucoup de temps à solliciter les grosses fortunes pour obtenir qu'elles versent des contributions électorales et que naturellement, quand on passe beaucoup de temps à solliciter les grosses fortunes, on en passe beaucoup moins à critiquer les responsables de la misère. Autre paradoxe qui me paraît frappant dans cette campagne, il concerne les questions de l'énergie. Comme vous le savez peut-être, depuis quelques années, les États-Unis connaissent un boom énergétique, mais ce boom énergétique n'a absolument rien à voir avec la révolution verte que promettait Barack Obama. Boom énergétique, Barack Obama avait promis 5 millions d'emplois verts d'ici 10 ans grâce au solaire, grâce à l'énergie éolienne et grâce aux énergies renouvelables. Or, de l'aveu même de la Maison Blanche, la révolution verte n'aurait créé que 225 000 emplois de 2008 à 2010 aux États-Unis. Alors certes, le plan de relance qui a été voté en 2008 a consacré 90 milliards de dollars aux énergies vertes, c'est-à-dire une somme très importante, mais en réalité, c'est surtout le gaz de schiste qui s'est développé ces dernières années aux États-Unis. Or, c'est une source d'énergie aussi peu verte que possible, même si dans certains cas, c'est une source d'énergie qui se substitue au charbon, qui est encore plus polluant. Et par ailleurs, alors même que le gaz de schiste se développait de manière très spectaculaire, la production nationale de pétrole a progressé, elle aussi, de 5 millions de barils par jour en 2008 à 6,2 millions en 2012, ce qui revient à dire que les importations qui représentaient 60% de la consommation totale en 2005 ne représentent plus que 42% de la consommation totale américaine en ce moment. Et cette marche
à l'indépendance énergétique américaine est évidemment une caractéristique très importante de ces dernières années, mais elle a été réalisée grâce à des investissements colossaux du privé. Pour l'essentiel, 3200 milliards de dollars sont prévus entre 2010 et 2035, qui est tout de même une somme colossale quand vous y réfléchissez. Et d'ici 2035, on pense que les gaz de schiste, qui représentent déjà 34% de la production américaine de gaz naturel, vont en atteindre 43% en 2015 et 60% en 2035. Il y a donc à l'évidence une révolution énergétique qui d'ailleurs a créé plusieurs centaines de milliers d'emplois, 600 000 emplois calcule-t-on en 2010, ce sera 870 000 en 2015, 1 600 000 en 2035. Et ce sont des emplois bien payés. Naturellement, lorsque vous êtes candidat à la présidence des États-Unis et qu'on vous annonce que des tas d'emplois bien payés ont été créés, en plus dans le Midwest, qui est une série d'États électoralement décisifs, il est difficile de s'y opposer. Et donc vous avez ce président qui a été élu pour une politique d'énergie verte, d'énergie renouvelable, non polluante, qui de fait aura accompagné un développement prodigieux de l'industrie pétrolière américaine et du gaz de schiste, qui sont deux secteurs très polluants. En somme, le New Deal vert s'est transformé en pompons, explorons, fracturons. Quatrième paradoxe qui me paraît notable lors de ce scrutin et ces dernières années, c'est que désormais, les démocrates mettent en avant les questions de société alors que les républicains les taisent. Cette fois, les républicains accordent, eux, la priorité aux questions économiques et financières. Pour eux, l'urgence, contradictoire d'ailleurs, c'est à la fois la baisse des impôts et la réduction de la dette. Ça n'est plus la question de l'avortement ou celle du mariage homosexuel. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2004, George Bush avait fait campagne contre le mariage homosexuel, insistant beaucoup sur ce thème, espérant mobiliser grâce à lui une partie de l'électorat populaire qui était en désaccord avec ses politiques économiques. Or là, les républicains ne parlent plus beaucoup de ces sujets de société, sans doute parce qu'ils pensent qu'ils sont moins porteurs de leur point de vue, et qu'ils préfèrent donc privilégier les questions économiques et sociales. Et ce sont les démocrates qui jusqu'alors se montraient discrets sur ce thème de l'avortement ou sur ce thème du droit des homosexuels, qui font connaître leur libéralisme en ce domaine et qui affichent leur position. Ils préféraient auparavant parler d'économie et d'emploi, ce qui devait favoriser leur position auprès des groupes sociaux défavorisés, mais traditionnalistes sur les questions de moralité et de famille. Et là, lors de la convention démocrate, c'est la femme de Barack Obama, Michelle Obama elle-même, qui a évoqué, je la cite, le droit de pouvoir se tenir sur l'autel avec qui on aime, en d'autres termes, qui a évoqué assez directement la question du mariage homosexuel. Donc là, l'autre évolution notable, c'est que les démocrates parlent beaucoup plus des questions de société qu'avant, et les républicains beaucoup moins, sans doute parce que le vent a tourné sur ces questions. Enfin, dernière évolution, et j'en terminerai par là pour le moment, et qui aura des conséquences dans les décennies à venir, la question de l'immigration, qui joue et qui va jouer un rôle décisif. Dans cette élection, l'équation est relativement simple. Obama sait qu'il dispose d'une assise électorale beaucoup plus large que celle de son adversaire républicain, car dans son électorat potentiel, il y a la quasi-totalité des Noirs, une large majorité des Hispaniques, mais aussi des femmes, des homosexuels et des jeunes. Barack Obama estime donc que l'avenir du Parti démocrate est assuré si, et c'est ainsi décisif, si ses amis parviennent à mobiliser cet électorat potentiellement majoritaire. Or le problème, c'est que cet électorat est peut-être potentiellement majoritaire, mais qu'il a été très largement déçu, ou en partie déçu, par les politiques de Barack Obama, et que peut-être il n'ira pas voter le 6 novembre prochain. Pour les républicains, le calcul est exactement inverse. La bataille des primaires
les a conduits à se tourner en priorité vers leur base, c'est-à-dire vers l'électorat le plus solide, le plus régulièrement républicain, mais aussi souvent vers l'électorat le plus réactionnaire. Et cette base républicaine est très mobilisée et elle fera tout pour assurer la défaite du président sortant. D'ailleurs, moins pour assurer l'élection de Mitt Romney, qui ne suscite pas une popularité considérable, que pour battre Barack Obama, qui est, dans certains milieux républicains, comparé à l'antéchrist. Donc vous avez d'un côté une base très large, mais qui est peu mobilisée pour le moment, et de l'autre, une base plus étroite, mais qui est très mobilisée, et qui a obligé Mitt Romney à appuyer des positions que la plupart des Américains jugent extrémistes, et en particulier sur la question de l'immigration. Or, la population hispanique, qui est une population croissante aux États-Unis, est très sensible à ce thème de l'immigration. Il est certain qu'à terme, cette question de l'immigration joue contre les républicains, que les républicains ne vont pas pouvoir continuer à espérer gagner des élections avec un électorat vieux, blanc et rural, alors que la population se diversifie et inclut une proportion toujours plus importante de minorités. Mais là encore, il faut souligner un paradoxe, c'est pendant l'administration de Barack Obama que les États-Unis ont connu un nombre record d'expulsions d'immigrés clandestins. En juin dernier, en pleine campagne électorale, Barack Obama a annoncé l'arrêt des expulsions de sans-papiers, mais cette décision a suivi une politique de répression continue et massive qui se manifestait, se déployait depuis le début de son mandat, puisqu'il y a eu 400 000 expulsions par an, un nombre sans précédent aux États-Unis depuis le mandat de Dwight Eisenhower dans les années 50. Là encore, la déception, le mécontentement seront atténués chez les hispaniques par la crainte que suscite l'élection de Romney et l'idée qu'avec les républicains, ce serait pire encore. En somme, comme pour beaucoup de questions, il semble que les Américains vont choisir entre le mal et le pire. Mais cette fois, à la différence de ce qui s'est passé quand Obama a été élu en 2008, dans une vague d'espérance, dans une vague d'enthousiasme, on voit donc que les Américains se résignent à un vote un peu morose, sur fond de pessimisme, quant aux possibilités qu'ils ont d'espérer que leur sort s'améliore. Et c'est ce scrutin morose qui caractérise un peu la vie politique américaine. Et il faut ne pas oublier que si en novembre prochain, Mitt Romney l'emporte et devient président des États-Unis, ce qui n'est pas exclu, il est vraisemblable qu'il disposera de tous les pouvoirs, puisque vraisemblablement, si ça se produit, il remportera aussi une majorité au Sénat. Donc il sera majoritaire au Sénat, majoritaire à la Chambre des représentants, président des États-Unis et disposant d'une majorité de juges à la Cour suprême. Dans une telle perspective, on peut penser qu'une politique de droite, bien plus à droite encore que celle de George Bush, pourrait se déployer, y compris sur le front de la politique extérieure, dont je parlerai plus tard en réponse aux questions pour ne pas monopoliser le temps de parole. Merci.